المشتري كي سابورانيت. اليوم ان شاء الله باش نعطيكم اوتر ريزومي على الكونتينيتي اي ليميت. دونك باش نبداو بالبوان الاولانيه اللي هي ليميت دو زون. دونك باش نعطيكم كيلكو تيوريم pour nous aider. Donc soit f et g deux fonctions. Donc je vais faire un petit tableau là. Donc je vais faire des fonctions f, fonction g. Je vais faire f plus g. Ok. Donc le f a la limite. Donc je vais faire l'année les limites derrière. Limite de l'année l, l, l plus l'infini moins l'infini et plus l'infini. Donc, bien sûr, limite de f est en plus l'infini, par exemple, est égale à l. Kif kif l'aîné, limite de g, c'est le point, maintenant plus l'infini. On a dit l' plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini et moins l'infini. Ben, donc, je vais chercher limite de f plus g. Donc, l'aîné a dit l plus l'. L plus L prime. L plus l'infini, c'est plus l'infini. L moins l'infini, c'est moins l'infini. L plus l'infini, plus l'infini. Donc, je t'en suis cool l'année, bien sûr, je suis cool. Plus l'infini. Et moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. L plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, selon l'expression de f et g, on peut déterminer la limite l'année. Donc, on va f plus g, on trouve la limite de l'année. Mais l'année, il est capable de la limite de f plus limite de g, puis j'ai une forme indéterminée. Ok? Tard le point. Et bien, la limite d'un produit. Donc, l'aîné qui fait un petit tableau. Donc, limite d'un produit, le signe de L, signe de la limite de F, très important. Donc, l'aîné a dit F, a dit G ou a dit F fois G. Donc, F a la limite L, G a la limite L prime, F fois G a, bien sûr, L fois L prime. Donc, L, comment est-ce que tu vas te battre? C'est-à-dire L positif, L prime plus l'infini. Donc, H positif, plus l'infini, je dis plus l'infini. Ok? L positif moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini, haja négatif, drap ta fait positif. Bien sûr, je t'apprends négatif. L, haja positif, l'aîné drap ta fait négatif, négatif. L, elle est négatif plus l'infini. Haja négatif, il donne par plus l'infini, je peux t'attendre, je t'attendre moins l'infini. Haja négatif par moins l'infini, je t'attendre plus l'infini, avec un léche signe, il est très important. Plus l'infini par plus l'infini, je t'attendre plus l'infini. Plus l'infini par moins l'infini. Pshatini, moins l'infini. Moins l'infini et moins l'infini. Ta valeur négative, drap ta fait valeur négative. Valeur négative, tombe vers l'infini. Donc, j'ai valeur positive, tombe vers l'infini. Ok? Donc, on dit 0. Limite de f, limite de g. Mara plus l'infini ou la moins l'infini. C'est kif kif. Donc, je trace l'année à la forme indéterminée. Donc, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminé, qui me l'aîné plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc les formes indéterminées, selon l'expression de f fois g, nous allons faire un peu de temps dans la limite radique. Tard le point, c'est la limite d'un quotient. On va faire la limite f sur g. Je vais faire la limite de f ou la limite de g. Donc limite de f, je vais faire des valeurs. Limite de g, puisque g est l'aîné dénominateur, il est mis un différent de 0. Mais donc, je vais faire le cas différent de 0, on va faire les 0. Donc, l'aîné a dit limite de FL ou limite de GL prime différent de 0. Donc, l'aîné a dit L par, bien sûr, l'aîné Pchatini, L sur L prime, le cas où l'aîné. Donc, a dit L sur plus l'infini, c'est 0. L sur moins l'infini, 0. Là, je vais faire la calculatrice, je vais faire la valeur. صغيرة تقسمها على فالور كبيرة تبدا نقول الريزولتا نتاعك طون فيغ زيرو. اوكي عندي بلوس لانفيني سور ال بريم الي بوزيتيف دونك باش تعطيني بلوس لانفيني بلوس لانفيني سور اون فالور نيجاتيف باش تعطيني موان لانفيني كيف كيف تنجمو بالكالكولاتريس تجربو لهنا عندي موان لانفيني سور ال بريم الي بوزيتيف دونك باش تعطيني موان لانفيني
moins l'infini sur une valeur négative, je t'attends plus l'infini. Négatif par négatif, donc je t'attends plus l'infini. Donc, on dit 0 sur 0. Donc, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Redouben. Ou l'infini à l'infini, kif kif, c'est une forme indéterminée. Ok? Donc, je vais te donner le g, je vais te donner les limites. Donc, tu vois, les rendis des 0. Bien sûr, on a mal à 0 plus mal à 0 moins, mais je suis 0. Donc, on dit une valeur positive, elle par 0 plus. Donc, je t'attends plus l'infini. Valeur positive par 0 moins, je t'attends moins l'infini. Valeur négative par 0 plus. Donc, rage négatif 0 plus, je t'attends moins l'infini. Rage négatif ou 0 moins, je t'attends plus l'infini. On dit plus l'infini, je n'en sais pas aller. 0 plus, donc je t'attends plus l'infini. Plus l'infini à la 0 moins, je t'attends moins l'infini. Moins l'infini à la 0 plus, je t'attends moins l'infini. Et moins l'infini par 0 moins, je t'attends plus l'infini. Bref. En cas où on cite une formule atome, on va en mettre sous, j'ai l'air les exercices, je t'en ai mais en cas où on cite une, je vais dire de calculatrice, je vais dire exemple l'année. L'année a une valeur positive que bien, tu vois. Donc c'est la valeur. Arrive à 0, mais chez la négative 0 moins. Par exemple, moins 0,000003. Je trouve une valeur très grande ou négative. Ok? Et qui a calculatrice, je te t'aide le résultat. Tard à la note là, où il y a limite d'une valeur absolue d'une racine carrée. Ben, on dit FA pour limite L plus l'infini moins l'infini. Valeur absolue de F, bien sûr, l'N est une valeur absolue de L. L'énergie de plus l'infini, donc c'est plus l'infini, l'énergie moins l'infini, puis tu as plus l'infini. Quand tu as la valeur absolue de haja négative que bira, puis tu connais bida, mais même valeur, mais positif. Racine de valeur absolue de f, je n'ai pas de racine de valeur absolue de l, bien sûr, l'énergie plus l'infini, l'énergie plus l'infini. Alors, je n'ai pas de racine de valeur absolue de f, alors quand tu as la racine, mais n'a juste qu'une valeur négative. Donc, je t'adresse à l'article quelques théorèmes. Donc, pour un polynôme, f, une fonction polynôme, donc la limite d'une fonction polynôme est la même que celle de son terme le plus haut degré. De plus haut degré. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'on a d'une fonction f de x, par exemple, égale à 4 tiers x à la puissance 3 plus 2x au carré moins x. Donc, limite de cette fonction, bien sûr, en l'infini. Donc, à l'infini, bien sûr. La limite d'une fonction polynôme à l'infini. Moi, je suis pour une valeur. Donc, je n'ai pas de limite de f de x en plus ou moins l'infini, donc au bout de ces limites, en plus ou moins l'infini de 4 tiers x à la puissance 3. Juste la partie plus degré, bien sûr, on a la constante, la constante, elle est très importante. Signe de la constante est très important. Par exemple, l'année, je suis qu'on fait plus l'infini, je suis qu'on plus l'infini, plus moins l'infini, je suis qu'on moins l'infini. Ok, on dit l'année x à la puissance 3. Mais, donc, l'année, j'en ai dit limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, de a, x à la puissance n. Accolé. Donc, pour un polynôme, je dirais a, x à la puissance n. Donc, on dit, l'aîné, si a positif ou n pair. Donc, limite en plus l'infini, bien sûr, plus l'infini. Si a positif, n impair, kif kif, l'aîné limite, puis a plus l'infini. Si a positif, donc, si A est un négatif, il est positif, A négatif ou N pair. Donc, l'aîné limite en plus l'infini. Mais demi-pair, c'est-à-dire X, N, c'est plus l'infini. Ou ma haja négatif, donc j'ai atteint moins l'infini. Ok, rakzoufé, madame. A négatif ou N impair. Donc, limite, l'aîné en plus l'infini. En plus l'infini, bien sûr, plus l'infini. Limite de plus l'infini ou ma négatif. L'aîné, pardon, impair, donc je t'attends plus, ou ma négatif, donc impair, elle est plus, ou ma une valeur, on ne pas faire valeur négatif, négatif. N impair, bien sûr, plus,
باش نضربها في اون فالور نيجاتيف باش يعطيني ان نيجاتيف. Voilà, c'est moins l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de a, x n, il y a dit, je suis positif, ou le signe de a, ou le signe de résultat. Donc, l'n est positif, on dit positif, positif, il y a a positif, donc je ne trace la plus l'infini, il y a a négatif, je ne trace la moins l'infini. Okay? Donc, tu as en moins l'infini, limite, x tend vers moins l'infini de a x à la puissance n. Donc, bien sûr, là, a, positif, n pair. Donc, au moins l'infini pair, je t'attends plus l'infini, ou moins a positif, je coupe plus l'infini. A positif, n impair. Donc, on dit moins l'infini par positif moins l'infini. A négatif, n pair. Donc, au moins l'infini, je dis que plus l'infini ou moins un négatif, donc moins l'infini. A négatif ou n impair. Donc, l'n est moins l'infini, moins un négatif, donc c'est plus l'infini. Voilà. Limite d'une fonction rationnelle, bien sûr, à l'infini. Est la même que celle du quotient, bien sûr, on a un exemple, je fais un oubli, des termes de plus haut degré. Je m'en ai. Par exemple, on dit f de x égale moins x à la puissance 3 plus x au carré sur 4 tiers de x carré plus x. Donc, la limite de f de x, x tend vers plus l'infini, au bidou, égale limite x tend vers plus l'infini, je n'ai plus haut degré. Donc, moins x à la puissance 3 sur 4 tiertsde x au carré. Donc, la limite est taille. On crédite la plus haut degré ou la plus haut degré, bien sûr, plus constante en terre. بعد البوانتين في الريزومي نتاعي واللي هي لي برونش بارابوليك. دونك بالنسبه لاي فونكسيون اف ادمي عندها اي كورب سي اف. سي اف هذا يسمى كورب ريبريزونتاتيف. دون ان روبير او اي جي. ديجا نعرفوا الكورب هذايا من لاني اللي قبل من التوازيام اني. دونك اذا كان si limite en plus l'infini, bien sûr, x tend vers plus l'infini de f de x, je n'ai gagné plus ou moins l'infini. Donc, là, ou limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x, kif kif ou plus ou moins l'infini. Et là, la courbe c'est f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction OI. Maintenant, la branche elle est de direction OI. B. Ottawa, si limite kif kif en plus l'infini, plus ou moins l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini. Et limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, j'ai gagné 0. Donc la courbe est une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, mais la direction au limite va être liée au i. Donc on dit une branche parabolique de direction au i. Ok, on clé de limite 0, donc direction OI, on clé de limite plus ou moins à l'infini, direction psychole OJ. Tu vas amener. Là aussi, limite en moins l'infini, limite x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini, et limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à plus ou moins l'infini. Donc, là, on dit une branche parabolique au voisinage de moins l'infini, donc branche parabolique au voisinage
de moins l'infini de direction OJ. Alors, خاطر لهنايا عندي f de x sur x هي plus ou moins l'infini. Dès qu'elle dit f de x sur x0, donc direction t, puis on dit OI. Donc, si limite en moins l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini, et limite en moins l'infini de f de x sur x égale à 0, donc kif kif, on dit une branche parabolique au voisinage de OI. Voilà, l'année, le voisinage de t est OI. Ok? Top, je vais vous parler des asymptotes verticales. Donc, je connais l'année des asymptotes de t, je vais vous les asymptotes parallèles à OI. Donc, on dit f une fonction et cf sa courbe représentative, bien sûr, et a un réel. Donc, si limite x tend vers a plus de f de x égale à plus ou moins l'infini, ou la limite x tend vers a moins de f de x égale à plus ou moins l'infini, alors les champs, alors la droite delta d'équation x égale à a est une asymptote verticale à CF, bien sûr, parallèle à OJ. Donc, delta est une asymptote verticale. Donc, à CF, bien sûr, je monte à verticale, je monte à parallèle à OI. Ok? Je monte à OIJ. Donc, il y a I. Donc, delta d'équation x égale à 1. Je monte x égale à 1, et puis x égale à 1. Exemple, x égale à 1, 2, 3, par exemple. Donc, est une asymptote verticale à CF. Je monte, par exemple, CF, je connais K. Mais c'est asymptote verticale, ou bien, ok. Donc, les asymptotes horizontales. Je monte les asymptotes horizontales, je les asymptotes parallèles à OI. Horizontale, verticale, pardon, on est parallèle à OJ, ou horizontale, on est parallèle à OI. Donc, l'aîné, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à b, une valeur b, alors delta d'équation y égale à b est une asymptote, l'aîné, horizontale au voisinage de moins l'infini. Donc, il y a asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Atlané limite au moins l'infini. Si limite de f de x égale à b en plus l'infini, donc delta d'équation y égale à b est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Ok? J'en ai à l'année. Exemple, on dit que la courbe t, i. Donc, l'année limite de f de x, x tend vers moins l'infini égale à b. Donc, delta d'équation y égale à b. Je m'entends y égale à b. Donc, par exemple, il y a dit que b est une valeur positive. Est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Donc, l'année de moins l'infini. Par exemple, l'année limite en plus l'infini égale à b est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Mais l'année, donc, le courbe, je trouve l'année, bien sûr, à câble. Ok? Donc, je tarde le point à les asymptotes obliques. Donc, soit delta d'équation y égale à ax plus b. Bien sûr, a différent de 0. Colle, sinon, tu lis y égale à b. L'année, tu lis une asymptote horizontale ou bien verticale. Donc, y égale à b, pardon, tu lis asymptote horizontale. Donc, delta d'équation y égale à ax plus b. Bien sûr, a différent de 0. Donc, je vais chercher l'année. C'est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. CF ou la courbe de la fonction F. Partage si et seulement si, donc, bien sûr, la condition limite x tend vers plus l'infini de f de x moins y, donc égale à 0. Je monte à f de x moins y, monte à limite x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Ok? Donc,
ولا droite هذه ديكواسيون هذه كونديسيون ولا دلتا ديكواسيون y égal à ax plus b bien sûr a différent de 0 لهنا باش نشوفوا الكونديسيون في الاسيمبتوت oblique a cf au voisinage du moins l'infini المرة هذه les exercices ils travaillent à nous manquer Déjà, si et seulement si limite au moins l'infini, allez, au plus l'infini, je fais une limite au plus l'infini, limite au moins l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Voilà. Je trouve aux directions asymptotiques. Donc, si limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini, et limite de f de x sur x, x tend vers plus l'infini égale à a, une valeur a, a différente de 0. Donc, aux limites de f de x moins ax, bien sûr, x tend vers plus l'infini égale à plus ou moins l'infini. Donc, à dommage, on tient tout ni. Alors, delta d'équation y égale à ax, équation y égale à x est une asymptote, est une direction, pardon, une direction asymptotique. A, C, F, oui, au voisinage du plus l'infini, bien sûr, on a une limite au plus l'infini. Au voisinage du plus l'infini. Qui a une limite au moins l'infini, c'est une direction asymptotique à CF, au voisinage du moins l'infini. Voilà.